Enfin, je vois bien. Du baptême de ma nièce. Eh ben, je vais vous dire. J'ai fait ce que j'ai pu. Hein ? J'ai fait ce que j'ai pu. C'est que c'est pas facile de tenir mon rang quand même, hein. Et puis moi, vous savez, hein, ça, c'est pas de notre vie. C'est pas fait avec des jus de pommes, des trucs comme ça, hein. Ça, c'est de notre feu. C'est pas n'importe quoi. Je vais vous montrer. Un journal découpé en morceaux, bah ça intéresse pas les femmes. Par contre, une femme découpée en morceaux, ça, ça intéresse les journaux. L'autre jour, j'ai lu ça dans les journaux. Un type, il a porté plainte contre Pernod parce qu'il a accusé Pernod de l'avoir mis dans l'état où il était. Bah, je veux bien, mais dans ces cas-là, si je rote, je vais porter plainte contre Coca-Cola, et si je pète, je vais porter plainte contre William Sorin. Eh ouais, n'empêche que, on voit quand j'ai bu, mais on voit pas quand j'ai soif. Ah, ça brûle. Un copain a passé la nuit au commissariat. Il avait quand même 3 grammes d'alcool dans le sang. C'est pas rien, 3 grammes. Hein. Bah, il s'est fait violer par sa femme. Ouais. Il a dit de retourner, il avait oublié son jipi. Mais le pire, c'est que on juge pas les gens à leur fréquentation. C'est pas bien de juger les gens à leur fréquentation. Regardez par exemple Judas. Il avait d'excellentes fréquentations. Oui, j'ai gagné. J'ai gagné à la loterie nationale. J'ai gagné quelques millions de francs. C'est-à-dire que maintenant, on dit plus des francs, on dit des euros. Mais ce qui m'empêche pas quand même de boire un coup, même un bon coup, hein, de boire un coup avec mes potes. Parce que ça m'empêche pas de boire un coup avec tes potes. Pareil. Je vais vous en refaire une petite. Et puis après, je vais peut-être aller me coucher. Monsieur dame.